Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour une histoire d'hiver que vous connaissez peut-être déjà. Il s'agit de la moufle. Si vous l'avez déjà entendue ou lue, alors racontez-la avec moi. Vous êtes prêts? Alors partageons la moufle. C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Elle voit la moufle. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Personne ne répond. S'il y a personne, c'est pour ma pomme. Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. Quelle douceur! Souris est ravie. Chcri, chcri, chcri. Mais qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas et une voix. Oh, quelle aubaine, une maison de laine, y a quelqu'un? Oui, y a moi, Souris, répond Souris du fond de la moufle. Et toi, qui es-tu? Je suis lièvre, j'ai froid, je peux entrer? Oui, oui, répond Souris. Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle tout contre Souris. Ah, quel bonheur! Soupirent-ils en cœur. Maintenant, ils sont deux dans la moufle, lièvre et souris. Chcri, chcri, chcri. Encore, lièvre et souris entendent des bruits de pas et encore une voix. Oh, quelle aubaine, une maison de laine, y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis renard. Je peux entrer? Je suis froid. Mais viens donc, répond souris. Renard se faufile et se camoufle dans la moufle tout contre lièvre et souris. Ah, quelle chaleur! Soupire-t-il en cœur. Maintenant, ils sont trois dans la moufle. Il y a renard, il y a lièvre et il y a souris. Chcri, chcri, chcri. Cette fois, renard, lièvre et souris entendent de gros bruits de pas et une grosse voix. Quelle aubaine, une maison de laine, y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, renard, lièvre et, vous vous souvenez, souris. Et toi, qui es-tu? Je suis sanglier, je suis gelé, je peux entrer? Bon, d'accord, il reste un tout petit peu de place, répond souris. Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre renard, lièvre et souris. Ouh là là, quelle erreur! Soupire-t-il en cœur. Maintenant, ils sont quatre dans la moufle. Sanglier, renard, lièvre et souris. Sanglier, renard, lièvre et souris entendent d'énormes bruits de pas et une énorme voix. Tiens, une maison qui bouge, y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous. Sanglier, renard, lièvre et souris, et toi qui es-tu? Je suis ours potelé, je peux entrer? Il n'y a plus de place, répond souris. Ah bon? Je peux voir? Ours potelé passe sa tête dans la moufle. Crrr. Ours potelé passe une patte dans la moufle. Crrr. Ours potelé passe une deuxième patte dans la moufle. Crrr. Ours potelé passe son ventre rebondi dans la moufle. Crrr. Ours potelé passe tout son corps dans la moufle. Crrr. Mais quand il veut faire entrer le bout de sa queue, crac ! La moufle crac ! Sanglier, renard, lièvre et souris tournent boule dans la neige. Et ils se redressent, s'ébrouent, se regardent et pfit, se dispersent à toute vitesse.
à Ours Potelé et il reste assis tout hébété sur la moufle éclatée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si, c'est comme ça, le conte finit là. J'étais heureuse de partager cette histoire avec vous. N'hésitez pas à l'écouter de nouveau pour la raconter avec moi. À bientôt pour une autre histoire.